Loïc en direct de Villejuif. Donc nous interrogeons, nous sommes sur le campus de CP Prêt où aujourd'hui s'est déroulée une assemblée générale des présidents. Donc nous allons passer notre journée à interviewer des juniors entrepreneurs, des organisateurs, des membres de la CNJE, de juniors entreprises sur leurs sentiments, leurs retours, ce qu'ils ont vécu au cours de cette journée. Voilà, je vous invite à me suivre. Donc bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce concept de la dernière GP de l'année. Donc nous allons a présenté une stratégie, vous l'avez validée, elle vous a plu, il y a des axes qui vous ont paru pertinents. Maintenant, c'est à nous de travailler ensemble, de mettre en place un budget, un échéancier, et aussi d'étudier comment associer les juniors entreprises aux actions que nous avons menées durant l'année. C'est bien. C'est-à-dire, un responsable de pôle, un président, il ne va jamais pouvoir mener un projet sans son équipe, il ne fera jamais rien tout seul. L'idée, c'est de pouvoir communiquer avec l'équipe, fédérer l'équipe et parvenir à mener des projets ensemble, trouver des intérêts communs, aussi prendre compte des impératifs de chacun en tant qu'études, projets professionnels, pour se rendre compte de notre potentiel et ensuite fédérer tout le monde sur ce projet pour utiliser peut-être ce potentiel. La prochaine campagne d'audit donc qui commence le 1er septembre. Donc là, on a eu le week-end de formation auditeur la semaine dernière. Donc on est en train de répartir tous les auditeurs sur chaque junior. Donc à peu près les 45-50 juniors qui sont audités la semaine pro, enfin sur la session d'automne. Donc voilà, première action. Donc alors. Donc qu'est-ce que c'est qu'une politique de rigueur? C'est sanctionner les juniors. Qu'est-ce que c'est qu'une sanction? C'est juste une sonnette d'alarme pour les prévenir qu'ils font des erreurs sur certains endroits. C'est basé sur quoi ces sanctions? Tout simplement sur le cadrage légal. Toujours, si on les sanctionne, c'est pour les protéger. Donc, est-ce que. Quelle dynamique voulez-vous donner? Étant donné que le premier rendez-vous de Robert est à Paris, non, ce sera en France. Donc, vous allez accueillir. Mais le second c'est après. Pour, D'accord, allez voir. Et après, je sais pas encore. En fait, ça va dépendre. ça va dépendre des formations aussi à mettre en place. International. Mon meilleur moment comme junior entreprise, je pense, ça va être l'AGP de mars qui s'est déroulé à Bordeaux. C'était trois juniors, donc à savoir Aquitaine Électronique Informatique, Arts et Métiers Bordeaux et AMS, qui ont organisé donc, l'AGP de mars où il y a eu à peu près 300 personnes. On a pu organiser donc, un petit déjeuner thématique et le soir une conférence. C'était une belle journée. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est à la fin de la journée de voir. Des jeunes entrepreneurs qui étaient contents, qui avaient passé une bonne journée, qui venaient nous voir pour savoir comment on avait organisé, qui disaient l'année prochaine on va la faire dans notre région. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment un bon moment, on avait travaillé en équipe, c'était un projet dans la durée. C'était vraiment une belle expérience. C'était aussi montrer que
deux écoles, des états d'esprit différents, vous pouvez travailler un potentiel, parce que vous avez un projet, il suffit de pouvoir allier l'équipe, avoir un petit peu d'idées, et puis on peut se réaliser, il y a de très beaux projets qu'on puisse réaliser, donc la région dans laquelle j'ai été DR, ou même d'autres structures, pouvoir au congrès rencontrer tout un tas de personnes qui sont motivées par les mêmes ambitions et qui mènent des projets. Et une opportunité, parce que junior entreprise, ça veut dire être au sein d'une équipe, mener des projets, avoir une relation client, évoluer aussi d'un mouvement, être au sein d'un mouvement, c'est vraiment très, très enrichissant, donc sur le plan compétences, on va dire, et aussi sur le plan humain, on rencontre beaucoup de personnes. C'est le CGE, le 28 juin au Palais Brongniart, avant le Cocktail. Oh, c'est une exclu, hein. C'est une exclu. Vous êtes les premiers à savoir. Merci. Je viens d'un jour entreprise à l'honneur. Donc nous avons le plaisir de vous annoncer les juniors entreprises à l'honneur. Nous recevons Jean-François Amadieu, président de l'Observatoire des discriminations. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Observatoire des discriminations, c'est un organisme qui est relié à l'université qui étudie où en est la discrimination en France et quelles peuvent être les solutions. Donc, ils font des campagnes de testing. Pour en savoir plus, vous venez au Club Junior Entreprise. Monsieur Claude Monnier, qui est DRH Europe du Sud de Munster. Et ensuite, bien sûr, monsieur Louis Schweitzer, qui est ancien PDG de Renault et actuel président de Carhartt. Donc, vous avez dû recevoir il y a une semaine des mails qui vous incitaient à devenir junior. Ça, c'est aussi réfléchir, ce sont les cadres de demain. Et oui, on vous l'a dit, on ne croyait pas, vous n'y croyez plus, mais vous êtes les cadres de demain. Et donc, il faut montrer que les cadres de demain s'intéressent aux sujets d'actualité, donc à la vie économique, politique, au monde de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est un lieu assez magnifique, hein, je vous l'avoue, un lieu qui est plein d'histoire. Donc, nous serons dans le grand amphithéâtre du Palais Brongniart. Vous avez tous les détails pour venir dans les invitations sur vos pages de l'entreprise. Suite à cette journée. La première chose, c'est de les remercier de nous avoir accueillis. Je pense que tout le monde l'a déjà fait, mais de le faire un peu plus. Ce qui est très sympathique, ce qui est très agréable, c'est de vous parler à la fête, parce que tout a été prévu, bien organisé, bien cadré. Je dirais qu'il y a deux choses à retenir, que j'aime particulièrement. Premièrement, les espaces verts. Et deuxièmement, le vocabulaire très télécom, très un peu geek, notamment. Parler de session au lieu de salle, c'est quelque chose de très marrant. Donc on voit l'aspect informatique très virtuel des rapports chez CPFR. Je me demande même s'ils ont un local junior entreprise où ils sont communiqués via leur webcam ou vraiment Skype. Je dois avouer qu'ils ont bien développé leur aspect humain pour avoir envie de à l'attention de l'administration des frais, peut-être quelque chose. Et à l'attention de l'administration des frais, c'est de dire que CPFR est une belle junior qui fait depuis longtemps partie. Time we tell.